Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Frères, soyez semblables à des enfants du bonné, soyez avides de la parole comme d'un élu qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez écouté combien le Seigneur est bon. Comme dit l'Écriture, approchez-vous de lui, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel et vous serez le sacerdoce saint. Vous êtes donc chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais aujourd'hui, Dieu vous a montré son amour. Mes bien-aimés, puisque vous êtes ici-bas des gens à fuir les tendances égoïstes de la chair qui mènent leur combat contre l'âme, ayez au milieu des païens une conduite excellente, ainsi, alors même qu'ils vous calomnient en vous traitant de malfaiteurs, ils auront devant les yeux vos actions excellentes. Et rendons gloire à Dieu le jour où il viendra visiter son peuple. Parole du Seigneur. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes amis, nous son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Thank you.
faire. Et vous vivez la vie et vous vivez le moment.